Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette. Hello Grégoire, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Et voilà, sous nos yeux, les compositions d'équipe. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Une très longue passe. Bonne interception, il y avait danger. Dommage que cette passe soit interceptée, ça aurait pu être une occasion. Il y avait de l'idée là, mais le geste n'a pas suivi. Et ce ballon devant le but. Et ce centre ne trouvera pas preneur. Lazzarini. Sansonné. Et ce ballon sur l'aile. C'est joué long. Ouais, dommage cette interception. Raga. Préférer jouer la sécurité. Long ballon dans le sens du jeu. Et il repique au centre. Rafael Lopez à droite. Casarini. On attend toujours le premier tir. Casarini. C'est bien, la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Sansonné, il écarte, il joue sur l'aile. Le drapeau ne s'est pas levé. La défense s'en sort, là. Pour trouver la faille dans la défense. Quel tacle! À la régulière, il est battu, joli tacle. Casarini, qui joue dans la profondeur. Oh, la maîtrise! Quel bonheur pour les yeux! Dans le dos de la défense. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Il essaye un long ballon. Parfaitement piqué. Toujours pas de but dans ce match. Allez, on a vraiment besoin de voir quelque chose de spectaculaire pour nous réveiller un peu. Il centre directement. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Casarini. Il essaye de faire la différence côté gauche. Un ballon intéressant. Et la défense se donne de l'air. Rafael Lopez. Casarini. Faute.
Bonne lecture de la trajectoire. Braga. Une très grande ouverture. La passe en retrait vers son défenseur. Le centre. Il faut s'appliquer sur ses centres. Ah, c'est un mauvais centre, ça ne pose aucun problème à la défense. Quelle cloche! Longue ouverture en direction du poteau de corner. Mais il était bien présent. Le coup de sifflet, ce sera une faute. Il s'en sort bien, l'arbitre ne sortira pas de carton ce coup-là. Le ballon sort des limites du terrain. Mais c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Il parvient à centrer. Va-t-il en profiter? Oh, quel caviar! Heureusement qu'il était là, son gardien était battu. Le coup de sifflet de l'arbitre, avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause, 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. La défense a fait du super boulot, ils ont bien contenu les attaques adverses, je ne me souviens même pas d'une occasion. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. C'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. J'espère bien que ça ne se terminera pas sur ce score, ce serait bien triste. Un long ballon vers l'avant. C'est pour lui, attention! Un ballon dégagé très loin. En profondeur directement pour le gardien. Il centre de loin, il glisse le ballon en profondeur. Ah, il est bien monté. Il peut repiquer dans l'axe. Non, là ça ne passera pas, avantage défense. Casarini, c'est joué long, attention. Oui, bonne intervention de la défense. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Coup franc. Repiqué dans l'axe, peut-être. C'est bien écarté. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. C'est centré dans la boîte. Ah, et cette défense d'arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Il est passé. Un centre au cordeau. La frappe! Ouh là là, quel dégagement en catastrophe! Pas encore de but inscrit dans cette rencontre, mais ça pourrait changer. Il joue dans l'espace. Elle continue sa course. Ce ballon dans l'axe. Il choisit la profondeur. Le tacle énorme dans la surface.
Bon, c'était engagé, mais pas de faute. Rafael Lopez. Et ils essaient de repartir de derrière. Le bon tacle. Casarini. Sansonné. Raga. Rafael Lopez. Ouverture vers le poteau de corner. C'est bien repoussé par la défense. La faute. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Je ne m'attendais pas à ce qu'il tente sa chance de si loin. C'est vraiment passé près. Il file au but. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. En retrait pour repartir proprement. Il part en solo. Casarini. Jolie passe lobée. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Raga. Et le ballon qui passe de l'autre côté. Il ne reste que quelques petites minutes à jouer et tout peut encore arriver. Faute, c'est indiscutable. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est joué dans la surface. Bonne intervention. Raga. Il tente de la jouer dans l'espace. Attention, la frappe. Il marque! Oh mais alors, quel coup de massue! Et c'est surtout un but qui peut être synonyme de victoire! Il remporte son duel avec le gardien et ce geste parfait! Il a bien gardé son sang-froid et pourtant le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile! Ils ont pris l'avantage, mais tiendront-ils le score jusqu'au bout? Allez, plus que quelques instants à tenir. Il joue dans l'espace. On joue sur l'aile, il est servi. Il tente de la jouer dans l'espace. Bon dégagement, bien joué. Et il continue de progresser. Et ils essaient de repartir de derrière. Et c'est le coup de sifflet. Finale dans un stade qui gronde, qui trépigne. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Ils s'imposent. Eh bien, ils sont récompensés pour leurs belles intentions de jouer sur les ailes. Voilà le simple résumé de cette rencontre. Et ça me va très bien. Vous voyez, parfois, le foot est très simple. On s'appuie sur ses points forts pour trouver des solutions. Aujourd'hui, les points forts, eh bien, c'était sur les ailes et la victoire est venue de là. Au revoir à tous, à bientôt. On se retrouve très vite. Merci, Darren, de m'avoir rejoint pour ce match.